To play only alien people, free people. Yeah. No slave. I have free mind. Good mom. Kalo good. Kalo. Only three women. Together, same game as a man. It's difficult this. Yeah. The heaven is a Paris. Okay. Yeah. Is a play this time, 19 women. Okay. 19 women. Is the next more Olympic game, yeah. Human in heaven is a war is with Zeus, is a victor of Zeus, after the fall of the town is the head of the first Christian. The Rome heaven now, this is Alexandria. Yeah. It's post- Au loin, on voit un point blanc. Je sais pas si sur la vidéo ça va se voir. Je vais peut-être le renforcer avec une flèche. Bon, on l'aperçoit en point blanc à l'horizon, mais sur la tablette, son AIS nous montre que c'est un bateau qui va nous croiser dans 20 minutes, 5 minutes, à moins d'un mille de nous. Donc il va passer très proche. Je crois que ça doit être un bateau de croisière, je ne suis pas sûr. Je vais voir sur le truc là. Alors, il est là. La Sirius, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cargo. C'est un cargo, il avance à...
j'étais à 5000. Vitesse relative 15 nœuds. Faisceau, je vois pas sa vitesse. Si, il est à 12 nœuds. Bah, c'est pas énorme. Mais il va passer tout proche de nous. Donc nous, on bouge pas. On reste sur notre position. Et on attend de voir. Voilà pourquoi en mer il faut être vigilant. Le cargo arrive. Bon là on vient de franchir sa ligne, on est déjà passé. Mais il va nous passer à 0,7 000 derrière. Il est à 0,6 000, donc à 1,5 000. Arrivé sur l'île de Zante. L'île de Zante à la baie de Kirikou. Au sud de Zakynthos, de Zante. De l'autre côté, la Zakynthos. Pour contenir les conditions de vent, on est ici. Et demain, on verra ce qu'on fait parce que les conditions de vent se sont dégradées. Se dégrade dans les prochains jours. C'est joli ici, hein. Petite force 2-3. Tranquille. On est sous génois sol et on avance à 3-5. On est très tranquille. C'est très calme et il n'y a pas de houle. Super.
On devrait normalement voir les tortues. C'est le coin des tortues ici. On verra ça. Yes. But you know that the taxi without stars. You are stars. You don't count yours. No, I think I have some people there. Yes. It's very shallow. And it's very shallow, we can see that. Yeah, stuck. Maybe they're stuck. It's not the
good of condition. It's very much back right. No, maybe this one is better. It's okay. I go up here. You go up? Because then we are a little bit off the ground. Incroyable, hein, la distance. Le même oeil, regarde la distance. Tout le monde. On est le 24 septembre. Non, 24. Non. À chaque fois que je suis dans la... Recommence. Bonjour les amis. On est le 4 septembre. Donc hier soir, avant-hier, nous étions à... Catacolon. Hier, on a fait Catacolon. Zante. Zante, la baie de Kerry. Au sud de Zante, pas mal, hein, pas mal. Et là, nous remontons vers le nord. Alors, on a décidé de remonter vers le nord. Alors, pour les prochains 3-4 jours, nos navigations sont dictées par la météo. Un passage dépressionnaire est annoncé avec de la pluie. Du vent, vent d'est. Vent d'est qui est les résidus d'un très fort meltem sur la mer Égée. Naturellement, nous, on est protégés. Mais on voulait rentrer dans le golfe de Patras pour remonter vers Galaxidi. Alors là, c'est un peu compromis. Parce que ce qui dicte un peu notre navigation, c'est bon, les orages sont annoncés aussi. Donc il faut aller quelque part où on est protégé du vent, de la houle et où la incidence des orages est la moindre. Donc on a cogité toute la journée d'hier. Et puis comme nous naviguions avec nos amis danois, nos amis sont arrivés à la même conclusion que nous. Il fallait remonter vers le nord. Sur Zante, on n'aurait pas pu rester. Enfin, sur Zante, les orages étaient annoncés, sont annoncés.
Et remonter, bah remonter où? Vers l'ouest, vers les îles de Kefalonia ou de d'Itac. Là, les protections vers de l'est sont rares. Difficile de se protéger du vent d'est. Nous remontons vers le nord et vers l'est, vers la côte, vers le continent. Et on a décidé d'aller faire un premier mouillage à Pétalas. Dans un mouillage vraiment où il n'y a personne. On va sans doute rester un ou peut-être deux jours dans le même mouillage, à attendre que tout ça se passe, la pluie, le vent, l'orage, bien surveiller tout ça. Voilà. Donc on a quand même, pour remonter là où on veut aller, 50 000 à faire. Voilà, donc c'est pour ça que bah, vous avez vu là les images. On est parti, très bonne heure ce matin, on est parti à 6h30, avant le lever du jour. C'était magnifique, hein. C'était magnifique. On va aller voir. On va aller voir ce que c'est. Il va passer à notre tribord, pas très loin, il va passer à notre tribord à 1 mille, dans 9 minutes. Et c'est plus embêtant que Carmencita. Ah oui, parce que derrière. Carmencita. Ils auront un demi-mille derrière eux. Ouais. Profondeur. Oui, c'était annoncé qu'il y avait un endroit à plus de 1000 mètres. Entre 500 et 1000. Alors qu'avant, c'était que 500. Plate, la mer est complètement plate. Une mer d'huile. Il n'y a pas de vent. Ça, il n'y a pas de vent. Hein. Il y a 1,6 nœud de vent, c'est-à-dire rien. Il nous reste encore 20 000 à faire. Donc, on sera arrivé dans 4 heures, à peu près. Peut-être qu'à la fin, on fera un peu de code zéro. Hein. C'est pas sûr du tout ça.
On va voir ça. Bon ben, nous sommes en route de collision avec un bateau de pêche. C'est un bateau de pêche, ça ? Alors, si je regarde sur le... C'est Grigorio CPA 103 mètres, apparemment. Il est beaucoup plus loin que ça, mais je sais, 12 minutes. Là, il est exactement sur nous. Hein. Donc, je vais être obligé de te dévier. Il va lui faire signe que nous changeons de route. On va faire une route parallèle à lui. Allez. Grigorio, il est en pêche, donc prioritaire. En pêche, il avance pas vite, mais on va faire droit dessus. Bon, alors, donc là on s'est mis parallèle à Saint-Route. Donc il va voir qu'on a changé de cap, ça veut dire qu'il va voir qu'on a réagi. Voilà, donc on va passer derrière, il va passer à côté de nous. Et à combien? Parce que s'il a un chalut derrière, on va faire attention. Il y a quand même 430 mètres. Ouais, il nous donne 524 mètres dans 10 minutes. Donc on va voir. Il est là.